C'est un bon Jack. Le gars est gentil, m'a permis de faire des contacts. C'est pas quelqu'un d'affaire, il a l'esprit du partage. En plus, il est débrouillard, il a toujours un tour dans son sac. Avec le temps, on a développé des passions connexes. On est parti d'amis d'enfance pour devenir des collègues. On se fréquente un peu chaque jour tout en faisant du commerce. En se foutant bien que les gens autour trouvent que notre amour n'est pas correct. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est de pas être assez discret. Dès qu'on sort ensemble prendre l'air, les vieux nous trouvent suspects. Je dois l'admettre, je suis dépendant, il est toujours dans les parages. Je ferais bien le tour du monde avec lui si je pouvais le mettre dans mes bagages. Jean-Guy de toutes les fêtes, on a besoin de son aide. Il est toujours là même si tout le monde se paye sa tête. Plus il nous divertit, plus notre stress s'arrête. Mais plusieurs le renient par peur de l'image qu'il laisse paraître. Élevé par sa mère, il a jamais connu son père. Sous prétexte que ça aurait nuit à son développement. Il mène une vie pépère, il a pas peur de se retrouver sous terre. Il veut juste que son avenir s'envole pas en fumée trop rapidement. On le fait grandir, on l'exploite puis on le laisse en miettes. Après on se demande pourquoi Jean-Guy est plus dans son assiette. Il écoute South Park à journée longue pour lâcher la serviette. 4h20, il est déjà rendu à sa troisième sieste. Ça l'empêche pas d'un seul but de trouver comment faire du cash. Jean-Guy a plus d'une corde à son arc, voire plus d'une branche à son arbre. Sa bonne influence et son art, c'est ce qui est le plus impressionnable. De Montréal à Amsterdam, vedette internationale. Parano, Jean-Guy sort jamais sans ses papiers. Il est né ici, mais aux yeux des petits poulets, c'est un étranger. Anticonformiste, ce qu'il souhaite, c'est déranger. La mentalité des gens un petit peu trop bien rangée. C'est peut-être pas un modèle, mais il roule au biodiesel. Il se vante que son énergie verte peut nous donner des ailes. C'est à croire qu'elle peut rendre la vie éternelle pour quiconque l'essaie. Vu que Jean-Guy s'éteint et se rallume sans qu'on constate son décès. En plus, c'est un bon papa, quoi qu'en pense l'école. Il prépare déjà les futurs plans de ses petites cocottes. Dans sa famille, on popote, on se rassemble, on placote. On sait qu'on récolte ce qu'on sème, on aime surtout ce qu'on récolte. Guidé par sa candeur, Jean-Guy sait apprendre de ses erreurs. Même quand il se met les pieds dans les plats, il réussit à prendre la grandeur. C'est peut-être un peu ce qui explique pourquoi ce Chris-là se la pète autant. Il a pris pour acquis son public, vu qu'il sait qu'on le rappelle tout le temps. Jean-Guy fait son agace depuis que sa graine est convoitée. Pour passer du bon temps avec lui, faut avoir un bon doigté. Faut aussi être bien roulé, monsieur est sélectif. Il se vante d'être une bête au lit qui défonce trop pour les novices. Mais bon, Jean-Guy raconte des salades tellement qu'il légume. Il est juste heureux de sa vie quand il s'évade pour décrocher la lune. Il sent fort, pis là je parle pas de son parfum qu'on aime. Il peut mettre tout le monde KO s'il veut, suffit que quelqu'un l'allume. Jean-Guy donne du love à TG, à Dudes, à S. Bref, il envoie du love aux 3i. Il donne du love à Oldie, à Scandal et 12, mais aussi. Oh yeah.